Bonjour. Est-ce que je peux avoir des places pour Pascal, pour le spectacle de Pascal Brunner, s'il vous plaît? Pascal Brunner, oui, il reste des places, oui. D'accord. Vous en voulez plusieurs? Deux, s'il vous plaît. Deux. Oui. Et c'est à quel nom? Sagittaire Production. Ok. Une. Merci. Deux. Voilà. C'est bien samedi soir, hein? C'est samedi soir à 21h, oui. D'accord. Et oui. Donc samedi 20 février, et c'est... À la, salle, à la salle des fêtes, la salle des fêtes derrière. D'accord. Okay. Voilà. Ben, je vous remercie. De rien. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez entendu à la radio et vous l'avez vu à la télévision. Il y a quelques années en arrière, l'émission Facile à chanter faisait un tabac le soir à 20h. Il revient au spectacle maintenant, il repart en tournée, il repart à travers la France. Nous avons également le privilège d'être accueillis par le comité des fêtes qui organise cette soirée, que je pense qu'on peut applaudir très très fort. Il y a Didier Trouche, toute son équipe, etc. Et donc maintenant, j'aimerais bien qu'on applaudisse très très fort la personne pour laquelle vous êtes venu, Pascal Brunner, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Chansons, les gars, que personne ne connaît. Et là, vous allez être surpris parce que vous êtes... Tiens, tu l'as le truc qu'on fait bien, là, clé. Ah, celle-là, on la connaît. Je sais pas, celle-là, hein. Allez, envoie-moi la purée. Ça, personne ne connaît. J'avais là, ça allait bien, parce que c'était le premier couplet.
Mais imagine le deuxième. Si tu renvoies l'intro à ce moment-là, on attaque. Tu vas en faire combien des photos? Hey, on a du bol, on a des cas, dis donc. Je vois pas bien, mais en fait, c'est pas mal. Hein. Ça a l'air d'être un gosse, fille. Bon, alors, si, hey, deuxième couplet. Alors là, j'explique aux gens. Ben, ça y est, lui veut faire Bourville maintenant. Alors, si tout le monde fait la demande, on s'en sortira jamais. Non, je fais comme si c'était improvisé, mais dans ce spectacle, tout est calculé. Pouvez-vous, plaît-il, me réintroduire ça chez nous. Musicalement parlant. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas de vulgarité. J'ai dit musicalement parlant. Nous n'irons plus où tu m'as dit. Nous n'irons plus. Tu viens de décider, nous n'irons plus jamais. Ce soir, y a pas le peine, nous n'irons plus jamais. Ah, faut bien dire des conneries dans les chansons, comme les autres années. Attention, cascade! J'y retournerai un jour. Oh Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Et Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Fini, 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 fini. Ma carrière dans les imitations. Et j'aimerais ce soir vous donner personnellement, en ce qui me concerne, moi, je suis tout à fait conscient de la situation économique actuelle. Vous imaginez, vous gardez le ventre et là, à ce moment-là, vous changez l'œil, parce que l'œil est important. Vous changez la voix et vous avez sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins, tout ça. On est bien placé, on est les verts, toujours plus bleu, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté mille douceurs, mille jardins lui offrent un collier. Serge Tauvion qui nous a quittés la semaine dernière et grâce à lui on a pu faire ça. Ça s'appelle. J'en parlais justement à ma femme. Le chien on l'a mis au fond là, je sais pas si vous l'avez vu, il est dans le. Non, je vous jure vraiment, il y a un chien qui est là-bas. La 403 est décapotable, mais avec le vent qu'il fait aujourd'hui, on s'est dit on va la rentrer à l'intérieur. C'est plus sérieux. Non, je pensais à ce genre de voix un peu éraillée. Vous savez, des chanteurs aussi qu'on a eu. Tiens, je l'aimais bien celui-là. Vous savez, qui disait toujours merde à tout le monde, quoi qu'il arrive. Je l'aimais bien, ce type-là. J'en ai pas vu pas. Salut.
plus, Serge. Ça y est, je l'ai repéré, tu parles. Bah viens, mon petit. Qu'est-ce que tu veux, il peut rien t'arriver, de toute façon, tu sais. Oh non, mais dès le début, je me suis dit, tiens, passe devant. Passe devant. Oh, je me suis dit, nom de Dieu, ça me rappelle les galettes de Pont-Aven, ce cul. Non, mais je te jure. Viens là. Viens là. Viens ici. Ma biche. Tout ce que... Là, t'as fait drôle, hein. Sandy. T'as vu, Denis, il y a des moments où on aimerait bien pas être pianiste. Bon, moi, je peux les toucher. Et arrête de faire ça. Regarde là-bas. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin. Nous marchons sur une plage, un peu comme celle-ci. C'est un automne. Un automne qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec tes jambes longues, c'est les jambes là que je montre, hein. Tu ressembles à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, un ciel. Non, c'est toi que je regarde, c'est les yeux de Jeanne. Là, ça, je peux rien faire. Et ça faisait... On... Et on s'aime. Sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était si belle, et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel de temps. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Des souvenirs et un regret aussi. Chanson qui nous semble
je t'aimais. Et toi, tu m'aimais. Moi qui t'aimais, et toi qui m'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime. T'es décevant. Eh ben, je t'avais dit qu'il arrivait. Sans faire de bruit. Ouh, et la mer. Des vases sur le sable, et oui, mon petit bonhomme, ne n'est pas des amants, des unis. Il y a tout au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la terre et le midi, des parfums de fenouil, melons et céleri. Mais c'est le matin au marché. C'était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Mais je suivais par ce froid dimanche. Te chercher, mais je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Mais je reviens te chercher. Mais tu vois, j'ai pas trop changé. Et depuis, facile à chanter, on n'a rien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre, et tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les mains nues. Mais quand il est mort, le poète, quand il est mort, le poète, le monde entier, ouais, le monde entier, le pleurait. Le monde entier. Le monde entier pleurait. Silence, la conscience au repos.
pendant que le monde avance et trouve pas bien tes mots. T'hésites entre tout dire et un drôle de silence. T'as du mal à partir alors tu joues l'innocence. Et alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire. Comme ce soir, si on est. À Haïti. Ah, il aurait préféré être à Haïti, c'est sûr, mais... Il y est. Ah, t'as l'autre qui balance une bourde en Guadeloupe. Lui, il loupe pas. Il y est. Oh, la pince, c'est partout. Il laisse tellement l'Élysée vide, il y a des fois, j'ai envie d'y retourner. Oh, je serais bien là-bas. Si, bah oui, j'ai plus. Il me faudrait les... Mais il paraît que Gérard Le Normand les a trouvés. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend qu'à toi. Ah, appelle-moi si par bonheur elle n'ouvrait pas. Nanana, nanana. Je vais tenir les lèvres chaudes et le champagne froid, car je t'aime. Et n'oublie pas l'anniversaire. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Ah, à ta santé, à tes amours, à Carla Bruni. Nanana. Nanana, 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 tu sais toujours où me trouver. Moi, je ne triche pas. Moi, je t'aime. Et n'oublie pas la communion. N'oublie pas. Je vais vous dire une chose. Alors, aussitôt, vous vous demandez ce que je vais vous dire. En tant que président de la République française. Mais je suis heureux d'être ici. Pour une fois que je suis pas à la maison, c'est la carte vermeille, nous, on l'épuise. Hein. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, on m'a dit qu'il faisait beaucoup de soleil dans votre région. Est-ce que tu pourrais mettre du rouge? Voilà. Comme ça, je brunis.
comme ça tout le monde croit que je l'ai ultra violé. C'est bon, tu peux revenir. Pascal, t'es un petit peu grand là pour Sarkozy, là t'as la taille Aznavour, là. Il faudrait que tu descendes encore un peu grand Sarkozy. Alors justement, je vais vous dire une chose. Vous vous demandez ce qu'il va nous dire. Ce que je vais vous dire. Et moi je vais vous répondre. Vous me parlez de Charles Aznavour. Ah, au bout de deux quinquennats. Vous me parlez de Charles Aznavour. Ben voyez-vous, j'ai ici un tableau sur lequel nous allons pouvoir discuter. En dernier lieu, c'est moi qui prendrai la décision, comme d'habitude. Je vais demander à tous les militants de l'UMP qui sont là ce soir. Ça tombe très bien, pour une fois, on aura un semblant d'opposition. Alors, dis donc, on avait le royal, il a fallu qu'on se tourne au bris, alors. Comment pas de bon. Vous avez ici un tableau noir. Alors je vais vous demander une chose. Mais il est blanc, c'est le stylo qui est noir. Ah, depuis que j'ai vu Panchard faire ses conneries, je confonds tout, noir et blanc. Je vais vous demander de me donner. Écoutez bien. Dix-huit noms communs qui se terminent par ad. Uniquement par ad. Le seul nom propre qui reste, vous vous doutez bien que je me suis gardé pour moi. Je vous écoute. Dites-moi fort parce que je ne vous entends pas bien. Cascade. Cascade. Là, il faut vraiment que tu me l'éclaires parce que sinon je vais être mal. Tu vois. Il faut que tu m'éclaires le truc parce que je vais essayer de placer tous ces mots dans une chanson. Alors on va le tenter. Mon cher Denis, chanson bien entendu de Charles Aznavour, puisqu'on parlait de la taille. Camarade, tu m'avais emmené au bord d'une cascade. Ce jour-là, on a essuyé une tornade. Pour un coup, on aurait fait une belle balade. Mon camarade, camarade, quelques mots en plus et c'était une charade. Je réfléchis tellement la bosse, faut de la pommade. Mais j'étais content de chanter pour vous cette rigolade. Ah. Elle m'a fait mal aux genoux. J'ai content. Je suis content. Je fais ce que je veux. J'ai content d'être avec vous parce que je reviens. Je vais reviens parce que j'avais les eaux coques dorées. Excusez-moi, j'avais oublié, c'est le taffy de coque d'Oreille, pardon. Toutes les cascades du spectacle ont été réalisées par Brian Joubert. Toute la musique que j'aime, et je me donne et je me et vous ne sont jamais les mêmes pour estimer ce qui est le plus illusoire qui m'éclaire. Et tout ça, ça devient le plus
te chante tout le temps que je l'aime. Et je chanterai, tu sais. Il est longtemps chez l'homme des guitares. Des mains noires, la nuit de belles jours. Pour chanter des paix et des espoirs. Pour chanter Dieu et puis l'amour. Et la musique vivra, mais tant que vivra, et plus, et tout ça veut dire que je t'aime, et que des malencolombés, de peur, mais je chante quand même, c'est ma prière pour te garder, toute la musique que j'ai. Mon ami, Denis Lamar. Un grand merci également à tous ceux qui sont dans l'ombre là-bas derrière, avec qui j'ai eu l'occasion de passer quelques moments, Pascal, notre bon son. Et puis il y a Marco, il y a là-bas la poursuite. Enfin bref, toute l'équipe du comité des fêtes qui a été d'une grande gentillesse avec nous et qui nous a accueillis avec la chaleur qu'on aime bien. Merci encore également à vous d'être venu partager ce moment de détente en toute simplicité avec nous. Très très bonne fin de soirée et à très bientôt. Toute la musique que j'ai, pleine de larmes et de blues. Toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime. J'ai tout triste. Très tout triste de vous quitter, mais l'heure est venue. Sur ma montre à quartz. Et elle vient de là! Elle vient du. C'est moi qui dis. Elle vient du bleu! Des gens.
Brunet. Yes, darling, I am very happy. Merci. Alors vous avez un peu tout fait, de la radio, de la télé, des spectacles, du théâtre. Alors on va commencer par la radio parce que ça a été un petit peu comme ça que vous avez commencé. Donc vous avez commencé avec le Vrai Faux Journal. Oui, c'était avec Claude Villers, ouais, le Vrai Faux Journal. Et en fait, j'étais à ce moment-là, je sortais du Club Méditerranée. Oui, vous avez j'avais fait mes classes là-bas, j'étais géo. Ouais. Et puis j'ai rencontré Laurent Ruquier au Don Camillo, célèbre cabaret parisien où on se produisait tous les soirs. Et lui avait été engagé par Claude Villers pour écrire les textes, enfin une partie des textes dans le Vrai Faux Journal. Et à un moment, il cherchait un imitateur pour faire des parodies quotidiennement. Donc on y était tous les jours, de 11 à 13 heures, un vrai faux journal. En fait, on transformait les vraies nouvelles, mais pour rire. Et après, ça a enchaîné avec Rien à cirer. Ah, bah là, Rien à cirer, ça a été. Ouais, il y avait Anne Roumanoff, il y avait Jacques Ramad, il y avait Patrick Font, enfin, une belle équipe, Rien à cirer. C'était tous les dimanches matins sur Inter. Et c'était un grand moment. On chantait des parodies, des trucs. On était sur le coup tous les dimanches. C'était. Et après, Brunner à vif. Ah, Brunner à vif. Alors là, c'est un show. Un one-man show? Non, parce que j'avais un invité tous les jours aussi, autour duquel on tournait. Ce qui était drôle, c'est qu'on demandait à l'invité, quel qu'il soit, il pouvait être auteur, interprète, actrice. On en demandait à chaque fois de choisir une chanson qu'elles aimeraient bien chanter. On la faisait en duo. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec 360 duos. Avec des gens étonnants, avec Philippe Gildas, avec Florent Pagny, avec Patrick Bruel. Et à chaque fois, en fait, on leur demandait bien évidemment de choisir, s'ils étaient chanteurs ou chanteuses, de choisir une chanson qui n'était pas dans leur répertoire. Et encore moins quand ils étaient écrivains ou journalistes. Je me souviens de Gildas, ça m'avait fait rire parce qu'il avait choisi une chanson de Bobby Lapointe. On ne s'y attendait pas. Et puis, ben voilà, on l'a fait. Et tout ça, c'était toujours en direct, c'était toujours en public. Et comme Facila, parce que là, je vous amène ma transition. Vous vous sentez plus chanteur? Enfin, oui, je n'ai pas chanté la transition, désolé. Bon, c'est pas grave. Non, mais parce qu'après, il y a ça aussi. Bon, vous vous sentez plus chanteur, imitateur, showman Voilà, je dirais plus que c'est... Ouais, c'est plus ça. Ça veut dire, à partir du moment où on me donne un micro et quelques petits moyens pour faire marrer les gens, ça me va. Après, vous avez enchaîné sur la télé, donc grâce à Guy Lux. Eh hey, oui. Et voilà, dans Yakapa. Yakapa. D'abord, il y a eu la classe. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu la classe avec Fabrice et puis toute la clique qu'on a vue après, avec des beaux, des belles comédiens, comédiennes, je sais toujours dans le sens inverse, mais peu importe, ils se reconnaîtront. Et puis après, il y a eu l'aventure Yakapa. C'était le week-end à 20h sur France 3, le samedi et le dimanche, avec des idées à Guy Lux, dont on ne comprenait pas les règles du jeu, mais ça faisait partie du jeu. C'est Guy. C'est Guy. Et puis, c'est drôle parce qu'on en parle au présent. Oui. Et c'est Guy, c'est comme ça. Et puis après, il y a eu la grande, grande aventure de Facila. Facila, ouais. Ouais. Ça, c'est... Donc, comme il a dit tout à l'heure... C'était le bébé, quoi. Voilà, c'est d'or du meilleur animateur d'émissions de divertissement. Et je me permets de faire une petite parenthèse. C'était cette d'or du meilleur animateur de divertissement décerné par le public. Ah oui. Et pas par la profession. Ouais, voilà. Moi, j'ai toujours dit... C'est encore mieux. Ouais. J'ai toujours dit, moi, je ne fais pas cette passion-là pour les gens de ce métier. Je fais ça pour le public. Et là, ils me l'ont rendu, mais... Au centuple. Ouais. 7 ans de Facila, terminé sur un 7 d'or, c'est royal. Et après, Une Famille en Or. Après, c'est un passage sur TF1, on a fait Une Famille en Or, mais autrement, ça n'a pas fonctionné, mais ça arrive, il y a des moments où... C'est comme, vous faites de la maillot. Oui. Et bien, il y a des moments, la maillot, elle prend pas. Voilà. Voilà. Il y a eu aussi de la chanson, donc avec le single, le premier Simplement. Single, Simplement. Avec les paroles et musique Didier Barbelivien. Didier Barbelivien, la réalisation, c'était Gilbert Montagnier. Voilà. Et puis Thierry Sforza. C'était un coup de cœur. Encore une fois, toutes ces chansons-là sont des chansons autobiographiques qui racontent le vrai. Mm. Vous l'avez vu ce soir, je ne suis pas du genre à tricher. J'y vais. Ouais. Voilà. Mm. Mais c'est ça, justement, que le public aime bien. C'est...
C'est cette simplicité, cette ouverture. Là, on est là pour voilà. Ça. On fait un métier public, c'est pour être avec le public. Exactement. C'est pour aller se planquer derrière des lunettes noires quand il pleut, moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je ne cite personne. Il y a eu aussi, comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Alors ça, c'était un truc marrant, parce que c'était le moment où il y avait ces fameuses versions un petit peu venues d'outre-mer. Ouais. Et là, on s'était dit, tiens, on va faire un truc... Donc ça, c'était plus festif. C'est festif, voilà. C'était juste pour faire un coup qui n'a absolument pas marché. Ah. Mais ça peut ça, pas... Ça arrive, ça peut pas prendre à tous les coups. Voilà, vous me remettez dans le bon sens, s'il vous plaît. Tournez donc, voilà, je vous remercie. Voilà, ça peut pas marcher à tous les coups. Ouais. On le fait avec l'espoir que ça y aille. Et puis, bah, ça y va pas forcément. Après du théâtre... C'est pas grave, l'avantage, c'est de ne pas avoir de regrets. Et après, vous avez enchaîné sur le théâtre. Ça, c'est encore une autre aventure. Premier spectacle à la Comédie Comartin. Alors ça, c'était encore du one-man show. On était encore dans l'imitation. Ah oui, voilà. Et après, quand théâtre. Je... C'était spectacle. Voilà, c'était du one-man show. Ouais. Mais après, juste après Facila, j'ai eu l'honneur et l'avantage de jouer le rôle de Colombo. Lieutenant Colombo voilà. Dans Une femme de trop. Une femme de trop. Ouais. Et c'était la première fois que... que les Européens avaient l'accord des Américains pour adapter ça. On ne l'avait jamais vu en Europe, cette histoire. Et j'ai eu le bol d'être choisi pour interpréter le rôle du lieutenant Colombo avec la voix de... Oui, en plus, vous imitez très bien. Serge Sauvion. Voilà. Donc on l'a joué en province, on a joué à Paris, en tout, on a joué ça 450 fois. Et c'était à chaque fois un plaisir renouvelé de remettre l'impair, de remettre le... De reprendre le cigare et puis ma femme, tout ça. Après, il y a une autre pièce aussi, Rien ne va plus. Alors, Francis Joffaut. Ouais. Là, c'était avec Vannick Le Poulain, avec des comédiens expérimentés, alors que c'était moi, ma deuxième pièce, mais c'était en réalité la première où je n'avais pas d'imitation à faire. Là, j'étais vraiment... D'être vraiment acteur... Voilà, sans rien. Voilà, lâché. J'allais pas dire on se planquait pas derrière des imitations, parce qu'on se planque pas, on est aussi sincère dans les imitations. Mais là, il y avait rien. Ouais. Donc c'était, c'était une autre aventure que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je crois que celle-là, on l'a jouée 200, 250 fois en tournée. Et vous préférez le théâtre, jouer justement avec plusieurs personnes et jouer un personnage, ou vous préférez le one-man show? Si, à chaque fois, j'ai eu la chance de jouer toujours avec du monde. J'ai jamais été tout seul sur scène. Ou j'ai des musiciens qui sont pour moi, oui, à part entière, des partenaires. Ouais, donc que ce soit des humains palpables ou des instruments, mes musiciens sont là, sont toujours là. Ils font partie intégrante du spectacle. Ça fait moins peur justement quand on a quelqu'un sur qui se rapprocher un petit peu. Ah non, parce que c'est même pas une question de peur, c'est une question de complicité. Vous avez toujours le trac? Heureusement. Ouais. Alors c'est quoi vos rituels juste avant? Ah j'ai pas, alors par contre j'ai pas de gris-gris, pas de trucs comme ça, non. Ouais. Non, on se dit, on est tous dans j'aime bien, je suis pas genre, je me mets dans une loge à part, et puis machin, j'aime bien être avec mes musiciens. On regarde deux, trois trucs vite fait, on se dit, tiens, là, on va faire ça. Et puis en général, le leitmotiv de la fin, c'est bon, les musiciens partent sur scène, puis ils sont un petit peu avant moi, et puis ils se demandent tous qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire, qu'on n'a pas prévu, quoi. Voilà. Oui, c'est ça justement qui est bien, c'est de pouvoir improviser. De toute façon, le public interréagit. Bien sûr. Donc, plus ou moins, vous êtes plus ou moins obligé de... On va dire que c'est de l'impro calculé. Parce qu'on sait toujours où on met nos pieds. On va pas... c'est pas un foutoir. Il y a une progression, tout est fait. Puis ça, j'étais content. Parce que et la secrétaire, alors pourquoi? Je sais rien. Donc, la personne qui était au premier rang me dit, c'est ma secrétaire. Moi, je vous ai vu, vous. Je dis, bon, il y a la secrétaire de DSK, parce que j'avais décidé que ce serait DSK. Ouais. Puis voilà, ça part là-dessus. Ça, mais en tout cas, à chaque fois, c'est toujours fait sans méchanceté aucune. C'est un joke, quoi. Non, mais tout est prétexte pour rire. Ouais. Sauf quand on fait des moments un petit peu plus perso. Par exemple, je pense au clin d'œil à Beko. Là, c'est... Et puis l'histoire de camarade avec Pemenat, c'est un truc, c'était la première fois qu'on le faisait. Bien. Ouais. C'était la première fois qu'on le faisait. Ouais. Puis, voilà, on l'a répété hier.
répété la veille. Et ça, c'est pas des mots que vous avez dit, c'est possible, il est possible que ça va sortir ou c'est il y a, forcément, il y a plein de mots en had, bien sûr, oui. Mais on sait pas ce que les gens vont dire. Oui, je m'attendais à Obad. Non, Obad, c'est pas, non. T'en as pas là, bon, c'est bon, ça, ça peut sortir, voilà. Ouais. Encore faut-il les déplacer pour que ça ait au moins un sens, voilà, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça que le truc, quoi. Ouais. Bon. Plaisir. Tu peux vous embrasser ? On va se gêner. Vous mettez le truc parce qu'on va le faire, mais sur la bouche, vraiment. Hein, on est... Salut. Merci pour Merci tout. À toi. La balade des gens heureux. Je suis content d'être venu. À Péménade, vous chantez la balade. J'espère que vous l'aurez été comme moi. Des gens.